Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tout simplement où je vais goûter les rations de combat. Vous allez voir, c'était très bizarre. J'espère que la vidéo va plaire. Juste avant, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt 80 000, donc abonnez-vous. Et puis code créateur cocteau. Mais bref, là, on va simplement déguster des rations de combat que Fortnite m'a envoyé. D'ailleurs, la vidéo où j'ouvrirai tout simplement les rations de combat, c'est en description. Bon visionnage. Du coup, on a quoi? On a du Cherry Blossom Green Tea, donc du thé. Ensuite, on a une espèce de pochette un peu liquide, bizarre. On a de la soupe, on dirait. Des crackers, donc ça, je vais ouvrir ça maintenant, je sais pas ce que... Vous savez, c'est des grands biscuits comme ça, attendez, je vous en sortirai un. C'est des grands biscuits comme ça, tout simplement. Ouais, des grands biscuits comme ça, donc... Ok, ok. Ensuite, on a quoi? Ça, j'ai déjà goûté un petit peu. C'est des bananes séchées, les gars, c'est vraiment bon. Là, on a une espèce de truc sauce aussi. Et là, alors là, là, c'est là où la magie va opérer, je crois. Vraiment, vraiment, rien. C'est quoi, ça? Les gars, c'est what the fuck? Ça boue? C'est incroyable. Regardez ça! Ça boue! C'est... On n'arrête pas la technologie, quand même. Hein. Ça arrive à faire de l'eau qui boue? Non, mais c'est insane. Hein. On n'arrête pas le progrès, moi, je vous le dis. Hein. Genre, l'eau arrive à... Regardez ça! Là, faut faire quoi? C'est quoi? Là, là c'est écrit... On arrive quand même à faire bouillir de l'eau sans qu'elle soit chaude, c'est ouf hein. C'est... J'ai hâte de voir le goût que ça va avoir, n'empêche. J'ai une coiffure d'un mec qui faisait la guerre à une époque, c'est une horreur. Ah c'est de la compote je crois. Au début je pensais que c'était de la chiasse. Est-ce que vous avez envie d'y goûter honnêtement là? En toute honnêteté, vous avez envie d'y goûter là ou pas? Bah pas moi personnellement. Hein. Bon allez, pour la science les amis, je vais goûter un petit peu. Pas une petite cuillère. Mais une fourchette avec du thé là, ça sera pareil. C'est de la compote. C'est bon, mais sans plus. On goûtera ça plus tard, ok hein. Alors ça c'est du sunflower butter. À deux voix. Hein. Du sunflower butter, qu'est-ce que ça préserve de bon encore une fois. Je sais ce que c'est, je pense que c'est du beurre de cacahuète. Mais un truc comme ça, non. Ça s'appelle du sunflower butter et c'est du beurre de cacahuète. Pourquoi ça s'appelle pas du peanut butter en fait, tout simplement. J'aimerais savoir. C'est des bananes toutes séchées, vous voyez. Des bananes comme ça là, des bananes toutes séchées. Et en vrai ça c'est, oh là là, ça c'est bon les gars. Ça là. Trop, vraiment. Je sais pas si c'est du bon thé, ça je connais pas trop. Hein. Je sais pas si c'est du bon thé ça. Franchement, je suis impressionné les gars, vraiment. J'ai mis de l'eau chaude, ça a fait une réaction chimique et c'est ça, c'est ouf quand même. C'est de l'eau chaude avec du produit tout bizarre, ça arrive à faire bouillir de l'eau. Enfin, honnêtement, moi je trouve ça, enfin, en toute honnêteté, je trouve ça assez remarquable. Voilà. Déjà rien qu'à l'odeur, je pense que vous avez peut-être perdu le pari. Hein. J'ai pas regardé, hein. Je sais pas à quoi ça ressemble, vous allez regarder avant moi. Ok, bon, du coup, je vais voir dans le retour. Hein, mais... Attendez, quoi? Ah, mais les gars, ceux qui ont parié sur ça va être bon. Voilà la gueule que ça a, les gars. Oh, si c'est bon, les gars. Oh, mais alors là, jamais là, ça pue. On dirait, vous avez de la Macédoine qui a macéré au fond du frigo pendant une semaine. Mais genre, vous avez... Enfin, regardez, hein. C'est tout visqueux. Allez. Ah. Allez, 3, 2, 1. Ah, c'est pas bon. Ah, vous avez perdu votre pari. Ah, c'est pas... Oh, c'est dégueulasse. Ah, c'est pas bon. Ah bon. Ah, c'est pas bon. Ah. Ah, est-ce que c'est bon? Ah non, c'est pas bon. Alors là, j'avais peur d'hésiter, j'hésite pas. Hein. Ah, j'ai hâte de voir la réaction de Valouz. Hein. J'ai hâte de voir ce vidéo. Valouz, normalement, fait une vidéo. Ah, j'ai hâte de voir s'il va aimer. Hein, parce que putain, c'est vraiment pas bon. Hein. Ah, c'est pas bon. Ah. Oh, oh, pourtant, les gars, vraiment, je suis vraiment pas difficile. Hein. Je mange vraiment tout et tout. Hein. Je suis loin, loin d'être difficile. Je mange de tout, de tout, de tout. Mais, vous savez, c'est visqueux un peu.
C'est visqueux, c'est un vieil arrière-goût. Vous savez, un petit peu la couenne de pâté un peu gélatineuse là. C'est un peu ça, sauf que c'est pas du. C'est... Ah, c'est pas bon. Ah, je suis désolé, je peux pas manger ça. Et pourtant, je suis vraiment pas difficile de base, hein, mais. Avec le sel, ça passe un peu mieux, tu vois, mais. Mais regardez la gueule que ça, hein. On dirait. Regardez. Ça a une gueule de. Ah ouais, voilà, ouais. Donc vraiment désolé, je suis pas difficile, mais là, honnêtement, c'est vraiment pas bon. En tout cas, les gars, j'espère qu'on sera pas en guerre un jour, parce que clairement pas envie de manger ça. Bon bref, maintenant on va passer des trucs un peu plus amusants. Déjà, ces petites bananes séchées, qui sont vraiment, pour le coup, vraiment ultra giga bonnes. Ouais, c'est des bananes comme ça, qui sont séchées. Hop là, des petites bananes séchées comme ça. Et ça, c'est... On va me faire oublier vous. Ah, ça, c'est trop bon. C'est un peu des petites chips. Des chips, vraiment, avec un goût concentré de banane à mort. Ouais, c'est vraiment bon. Si vous êtes vraiment fan de banane, ça, pour le coup, c'est vraiment, vraiment bon, ça. Hein. Enfin, pour ceux qui veulent la ref, peut-être, tu vois. Ça, c'est super bon, pour le coup. Alors, la compote, quand même, qui a... Enfin... La compote qui a, on dirait, littéralement, du vomi. Voilà. Alors, regardez, la compote est quand même... Elle est quand même noire, la compote, hein. Elle se mange, elle est bonne, hein. Ça va. La compote, regardez, elle fait. Wow. La compote, vous voyez, elle est quand même, je trouve, assez marron quand même, mais. Elle est pas. Elle est pas ultra bonne, mais elle. Voilà, elle est bonne. Du pain basique, on va goûter comme ça d'abord. Ah non, tac. On va le couper en deux. Ah, c'est bon. Ah, ouais, ça, c'est bon. Pour que je mange ça, les gars. Là, vraiment, hein, je troll même pas. Hein. Je la finisse 200 subs. 200 subs, je la finis. Mais, et pas moins. Même pas négociable. 200 subs minimum. Pas deux. Alors, voilà. Honnêtement, c'était bon, hein. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je mettrais un 8 sur 10, tu vois. C'est bon. C'est sec, c'est bon. Non, j'ai rien à dire, c'est plutôt bon. Ouais, ça, pour le coup, c'est bon. Alors, le thé, je vais même pas le goûter, le thé, pour le coup. Parce que, genre, de une, le thé, c'est vraiment pas un truc. Genre, j'y connais rien et... Et je kiffe, le thé, j'aime pas plus. Enfin, je kiffe pas. C'est bon, mais... Mais voilà, enfin honnêtement les gars, je vous avoue que ceux qui mangent ça tous les jours ou je sais pas, et ben, courage à eux, parce que littéralement, alors, ça c'est vraiment, honnêtement, ça c'est vraiment dégueulasse pour le coup, ça c'est vraiment immonde. La compote, elle passe, tu vois, bon, j'en mangerai pas tous les jours, hein, mais ça va, tu vois, elle est quand même ultra bonne. Le beurre de cacahuète, vraiment il est très très bon le beurre de cacahuète. Le pain sec, il est vraiment bon aussi. Les bananes, c'est un 10 sur 10 par contre. Ah, banane, c'est super bon. Et le thé, j'ai pas goûté, mais en vrai de vrai, je suis pas fan de thé, donc ça aurait servi à rien. Du coup, les gars, c'est trop bon. Bref, les potes, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et je crois qu'il y a Valous qui fera une vidéo dessus, comme ça vous pourrez peut-être un petit peu comparer. Et puis voilà, bref, c'était Cocteau, ciao.